Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 mai 2010. Alors voilà ce que c'est, je tombe moi aussi dans le piège de parler d'une chose dont tous les médias parlent et qui n'a en fait aucun intérêt, la retraite de l'équipe de France de balle au pied à Tignes. Quand je dis retraite, ils sont tous en activité. De toute façon, rares sont les retraités qui gagnent ce que touchent les milliardaires en bleu, à part bien sûr les Zakarias, ex-patron de Vinci ou autres membres du club très prisé des exploiteurs anonymes. Alors les bleus au vert, ou plutôt au blanc, la neige, la poudreuse, la poudre, ça on ne sait pas. Et puis, quand on est capable de passer une nuit dans un refuge, à la dure, ça soude les hommes. Rien ne sera plus comme avant. Enfin, cela dit, depuis leur arrivée dans les cimes alpines, la chaleur des joueurs n'a pas fait fondre la neige. Quand on a aperçu leur arrivée dans la station, on ne comprend pas forcément ce que le mot « star » englobe, mais on comprend ce que le mot « con » veut dire. Par exemple, une arrivée en hélico pour des joueurs lyonnais qui s'engouffrent dans une voiture pour rejoindre un hôtel 30 mètres plus loin. Qu'un Patrice Evra s'étonne du désamour d'une partie du public, avec quelques fautes de français au passage, qui donnent le charme à une certaine beaufitude footballistique qu'on a tendance à oublier quand on ne regarde que le jeu. Donc qu'Evra s'étonne, c'est étonnant. Le foot est un spectacle avec des joueurs surpayés, surprotégés, alors quand l'arrogance et la suffisance tiennent lieu de carte de visite, ça devient vite insupportable. Le bunker de la résidence des Bleus pour la Coupe du Monde 2006 avait fait beaucoup parler, ainsi que l'isolement, pathétique dans le ridicule, qui va avec. Plus les images avec ces types qui n'arrêtent pas de se prendre au sérieux, avec Dr Raymond en tête, défilent, et en attendant la prochaine sortie sur le terrain, et plus je me dis qu'on va peut-être voir enfin sur le territoire africain du jeu, avec des gens qui jouent, peut-être plus vite, parce que leurs godasses sont moins alourdies par le poids des sponsors. Alors, pas de procès d'intention sur le comportement en dehors du terrain de nos bleus, mais des inquiétudes quand même. Ah, c'est peut-être dû à la rudesse de la vie montagnarde à Tignes. Quand ils auront trouvé leur chambre du palace en Afrique du Sud, ils seront moins stressés, souriant avec le monde, avec ceux qui les regardent et qui les font vivre. Alors pour ceux qui aiment le jeu et qui le regarderont loin de leur drapeau national, je dirais, et encore, bravo.